Et bonjour YouTube, on démarre l'aventure Evoland 2 pour toujours plus de fails sur ce genre d'aventure avec moi bien sûr. Nous on a peur du boss, on a peur du danger donc on fait le mode aventure. Voilà. Peut-être en coop avec les travaux chez moi. Coordonnez-vous après, faites chacun votre jour sur deux ou autre, ouais, voilà. C'est quoi cette prédit pour commencer là dans le chat Twitch? Game over dans les 10 premières minutes. Quoi? Bonjour, j'ai. Nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne. Oh, vas-y, jeu de merde. Hop, allez, c'est parti. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la droite. Yes. Félicitations, G. Le point G. Eh, il est 15h30, hein, on se calme. Hein. Eh, la prédit est lancée, vous avez eu une minute pour voter, let's go. Poursuivons nos exercices. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la gauche. Ça fait quoi si je le fais avant? J'ai envie d'essayer déjà. Mais ça va faire un game over peut-être, il vaut mieux pas pour la prédit. Bravo, G. Présent, regardez autour de vous. Hein. Je vois pas, il y a le bouton mute qui cache le dire. Ah, en haut et en bas. En haut, en bas. La chance du million, c'est un perso masculin. Pour A, pour le point G. Pourquoi je pose la question? Excellent, ouais. Voudriez désormais avoir l'envie irrésistible de quitter cette pièce. Bah non, je suis bien ici. Pourquoi je quitterais cette pièce? On n'est pas bien là? Non? Parfait, G, c'est très bien. Vous savez désormais que le monde ne se limite pas à cette seule pièce. Regardez au-delà. Excellent, G. Ouais. Vous pouvez le voir, des buissons bloquent votre passage. Vous devriez peut-être... vous devriez être pris d'une envie folle de les couper avec l'épée que vous avez, qu'on nous a fournie. Allez. Ça par contre, ouais. Non mais attends, je voulais spammer mon épée. Ouais, félicitations, ouais. Vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons. Pour vous récompenser, nous allons diffuser une douce musique. Bien. Vous appréciez cette musique, et effectivement. Poursuivez votre chemin, G. Mon épée! Mon épée! Mais interromps pas la musique! Nous allons maintenant faire un test de combat. J'ai pas eu le temps de lire! Oups, désolé, erreur de manipulation. Quoi? Ah mais c'était fait exprès, hein. Ce jeu est trop bien. Bref, combattez! Ah, j'aime bien quand c'est bref comme ça. Viens ici, bat. Bravo, G. Ouais. Vous êtes satisfait de votre combat. Ouais, effectivement. Non, mais laisse-moi casser le pot. Là, je suis pas du tout satisfaite. Je suis frustrée, là. Alors, c'est donc lui. Il a passé tous les tests haut la main. Ouais. Je suis l'élu. Je vais cacher le dialogue, je pense. Je vais monter un peu la caméra. Hop. Hop, hop, hop. Prends ton temps, hein. Ça me paraît bien comme ça. Hop là. Sera parfait pour la tâche que nous allons lui confier. J'espère que vous vous trompez pas. Si, il se trompe. Une seule heure, cela pourrait bien être la fin du temps. Ah oui, étant donné qu'il y a des travaux pas loin de ma rue, si jamais le live crash... C'est qu'ils ont touché un truc qu'il fallait pas encore, hein. Vous inquiétez pas. Au cas où, hein. Tout se passera comme prévu. Oula! Ils sont un peu trop confiants, non? Nous allons donc pouvoir activer la machine. Quelle machine? Faites les préparatifs, ouais. Et sinon, je suis là, hein. Et je vais partir sans casser le pot? Non. Je peux reset.
c'est beau. Oh, et on va passer en full screen. Hein. Il y a bien longtemps, la civilisation Magi avait découvert de grands secrets. Magi ou magie, hein. Je dirais plutôt Magi, mais. Mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère. En l'an 950, les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié. L'Empire humain en sortit victorieux au prix de lourdes pertes des deux côtés. J'arrive pas à lire, à l'aide. Yael reprend le relais sans plus attendre pour les phrases incompréhensibles. Ah, il l'a fait? Attends, merde, j'ai pas vu. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de Genova. Genova se prépare à le célébrer. Genova? Mais ces années de paix n'ont peut-être été qu'une illusion. Moi, Genova, c'est. Enfin voilà, hein. FF, hein. Bon, c'est pas une ville, mais. Est-ce que le live peut venir faire tes travaux? Quoi? Quoi? Effectivement, cette phrase ne veut rien dire. Ça va, Miel? Genova et pas Jéhovah comme je. Ouais, c'est pas la même chose, effectivement. Tu es réveillé? Non, pas du tout. Tu te sens mieux? Non plus. Bon, on fera avec, hein. Mon père t'a trouvé au fond de la forêt évanoui. Tu ne te souviens de rien? Même pas de ton nom? Je m'appelle G. Peut-être que tu devrais faire un tour en forêt, ça t'aiderait à recouvrir la mémoire. Au fait, je ne me suis pas présentée, je m'appelle. Ah! Bah, tu resteras Fina, hein. Fina, c'est bien. C'est une ref? Je l'ai pas. Si c'en est une, je l'ai pas, j'avoue. C'est pas incompréhensible en soi, ça veut juste rien dire. Ouais, la phrase de miel, ouais, en fait, parce que bon. Ouais, compliqué, hein. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. J'aimerais bien. Tu dis autre chose? Non. Un joli pot qui doit contenir des choses intéressantes. Je peux le casser? Mais vous n'arriverez pas à l'ouvrir, hein. Bah non, j'ai plus d'épée du coup. Oh, tristesse. Ce coffre pourrait sûrement s'ouvrir si les développeurs l'avaient prévu ainsi. J'adore. Bonjour. Ah bah donc c'est toi. Quelle forêt? Elle est où? Pina, ça fait du souci pour toi. Je peux le casser directement, la violence. Mais ouais, mais c'est parce que. Non, mais dans les jeux, dès qu'il y a un pot comme ça, on peut le casser. Voilà, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui suis violente. Ah, suis le chemin qui passe par le pont et va vers le nord. Ok. Ah, mais il vaut mieux te procurer une arme avant de partir. Ok, donc pour l'instant, je vais pas là-bas, quoi. C'est beau quand même. Je trouve ça. Mais viens là, je veux te parler! Je trouve ça super beau. La guerre contre les démons s'est terminée il y a 50 ans par la victoire de l'Empire. Ouais. La paix règne désormais, mais on ne sait jamais. Mieux vaut garder la forme en courant. Flemme un peu, hein. Quoi? Je m'attendais pas à ça en cliquant sur le puits. Au fond du puits, vous apercevez les restes d'un aventurier. Mais qui serait assez bête pour descendre dans un puits? Ok. Bah, je vais arrêter de cliquer sur tout en. Je peux voler une tomate? Une carotte, un truc? Non? Bonjour?
Ok. Tout ce qu'on retiendra de cette expédition avec les pirates, c'est moi j'aime bien les moustaches. Ok. Je préfère une barbe à juste une moustache, perso, mais. Il y a quoi là-bas? Un clink, c'est clink au fond du puits. L'angoisse. Bah sûrement en plus, hein. Cette porte est fermée. Non, sans deck. J'ai perdu mes points. Ah, il y a 39, effectivement, il n'y a pas eu de game over. Voilà. GG la team 2. Merci d'avoir cru en moi. Ah. Du coup, tout le monde avait voté? Attendez, hop. Comme ça, je vais vous en faire une autre. Voilà. GG la team 2. Et comment ça va, Sendel? Ça fait quoi si je lui reparle, mais non? Bon, la même chose, hein. Vu qu'il m'avait dit d'aller la remercier. En même temps, le 2 est généralement plus simple. Ah ouais? C'est vrai? Tu me dis pas ça pour me faire plaisir? Ça va et toi, Lily? Bah ça va, ça va. Fatiguée, mais en forme, en fait. Ça va. Je suis de bonne humeur en ce moment. Est-ce qu'on s'ennuie dans ce village? Bah non, on est bien ici, c'est calme, on est tranquille. J'aurais bien aimé vivre à l'époque de l'empereur Lothaire. Qui sait, j'aurais peut-être pu être général dans son armée et vaincre les démons. Bah vas-y, fais-le à ma place, hein. Pas trop tard, hein. Nickel, le splitter bypass la PS3. Ah bah super, je suis contente du coup, je suis contente. Contente pour une fois que c'est moi qui peux conseiller un peu là-dessus. Bah et puis en plus, t'as posé la question au bon moment, hein. Vu la promo qu'il y avait dessus, t'as posé la question vraiment au bon moment. Hein. Quand j'ai retrouvé la commande. C'est une auberge, ça. Bah avec plaisir, Sendel, avec plaisir. Je l'ai utilisé longtemps, le mien. Il fonctionne encore, c'est juste que maintenant j'en ai moins l'utilité, mais le jour où je veux restream la PS3, en vrai. Bonjour, il me faut une arme. Bienvenue à la boutique Trouve-Tout. Vous trouverez ici ce dont vous avez besoin. Bah heureusement, du coup, vu le nom de la boutique. Sauf que pour l'instant, je n'ai rien à vendre. Ah. Tu veux pas changer le nom de ta boutique, du coup? La route menant à la capitale de l'Empire a été bloquée par un éboulement. Faudrait sûrement attendre encore plusieurs jours avant sa réouverture. Oui, je sais, encore un éboulement. Cela devient presque une habitude. Bah oui, cherche une âme pour me rendre à la forêt, oui. Il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord-est du village, mais putain, c'est pas là où je suis allée tout à l'heure. Ah, ça me cache des trucs, hein. Il y a un cadavre dans le puits, là, ça me dit que ça a été abandonné depuis que. Non, faut pas en parler pour l'instant. Essayez de trouver le vieux Paul, c'est lui qui a la clé. Putain, quand je vois Paul, je pense à je dirais faire caca chez Paul, c'est terrible. Cette trêve de merde. Attention, il n'est pas du genre commode, surtout quand on le dérange en train de pêcher. Ah, il est en train de pêcher Paul. Et toi, tu dis quoi? Ne le dites surtout pas, mais je suis un peu jalouse de Fina. C'est la fille chef du village et elle est si gentille et tellement pleine d'énergie. Oh. Bienvenue dans la boutique, j'ai rien. Bah, elle aurait dû s'appeler comme ça. Hein. De merde, cette circonstance. J'adore ce regard sur les routes de France, t'as des panneaux alerte éboulement, j'en ai jamais vu dans ma. Dans le Var, il y en a beaucoup des panneaux comme ça, mais en même temps, forcément, il y a pas mal d'éboulements aussi. C'est un peu bizarre dans sa famille, ouais. Ok. Ah, c'est lui, Paul! Mais il aime pas quand je le dérange quand il pêche aussi, mais bah tant pis. Hein. Bonjour, Paul! Quelle belle journée pour pêcher tranquille loin des gêneurs. Ah. Bonjour. Enfin, plus ou moins loin. Quoi, la clé de la vieille maison? Peut-être que je l'ai ou pas. Faut voir. Bah, tu l'as ou tu l'as pas?
Oh non, FedEx. Que dirais-tu de me rendre un petit service en échange? Non. Tant pis pour toi. Ah, bon. Mais oui, hein. J'ai comme tu dirais un problème de poisson que je n'arrive pas à résoudre. Quelle belle journée, père de la chanson de Mylène Farmer, le vieux! J'ai la ref. Pour une fois, j'ai la ref. Peut-être qu'un jeune gars comme toi pourrait m'aider. Ouais, c'est quoi ça? Numéro 1, les cannes à pêche. Ouais. Mes cannes à pêche se sont mêlées. On va jouer avec le chat, hein. C'est vous qui allez me donner la réponse. Le plus rapide gagne, je sais pas quoi. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts dans le chat? Mes cannes à pêche sont mêlées, je ne sais plus laquelle va où. Ah oui, effectivement. Mais hé, j'ai pas commencé le jeu, hein, c'est pas... Miel 4, 4! Bon, c'est Miel qui a gagné, hein. Eh, en vrai, je peux vous faire participer, c'est marrant. C'est marrant. Un point pour Miel! Putain, faudrait que je note ça quelque part. Putain, il y a plusieurs puzzles. Je peux faire vraiment un truc avec vous, du coup. Attendez, je vais ouvrir un bloc-notes. Hop, on va l'appeler Evoland. Hein. On verra qui c'est qui a le plus de points à la fin de l'aventure. En vrai, ça peut être marrant. Hop, petit bloc-notes ici, là. Hop. Bon, ça a été Miel le plus rapide, hein, cette fois. Je vais écrire vos pseudos. Hop. Omega. Pour ceux qui sont déjà présents, là. Hop. Quatre, mais je voulais laisser gagner les autres. J'aime mieux me reposer. Allez, on a un point pour Miel. Un point pour Miel ici. Hop. Je sais pas ce que vous allez gagner, mais voilà. Ma reconnaissance éternelle. Pas ouf, hein. Pas ouf. Voilà, Miel. Un point. Un point pour Miel. Enfin, si c'est la bonne réponse, hein, non. Quelqu'un me permettra d'attraper ce poisson. Mmh. Une autre dédicace, oh non. Celui qui a le plus de points à la fin du let's play, il a une dédicace. L'angoisse. Dommage qu'on fasse pas gagner des points de chaîne. Bah si je pouvais, en vrai, ce serait cool, hein, mais je peux pas. C'est dommage. Dommage. Le lot pour le vainqueur, Temtem. Eh, hey, c'est pas une mauvaise idée, ça. Hein. Y a plus personne qui va participer au jeu, quoi, mais... Ah, c'est une ref à Professeur Layton. J'ai jamais fait aucun jeu Professeur Layton et jamais regardé non plus. J'avoue, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'avoue, j'avoue. C'est bien, on m'en fait d'autres références. Ouais, j'ai cru voir que dans celui-là, il y avait des références à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Ou Mario Strikers. Ouais, je vous laisserai choisir entre Mario Strikers et Temtem, je suis gentille. Hein. Le premier remportera Temtem et le deuxième remportera Mario Strikers, ok? Non. Merci de m'avoir aidé. Je vais te donner cette vieille clé. Elle ne me sert à rien de toute façon. Merci. J'ai obtenu la vieille clé de la maison. Insérée dans la serrure de la porte adéquate, puis tournée. Let's go. Regarde DM Lily. Qu'est-ce que t'as fait encore? Je vais l'imprimer, je vais lui donner à la Paris Games Week, Linkos. En vrai. Oh putain. Il y en a plein qui n'ont pas connu ça. Les bons points, vous avez connu les bons points? Gagner un bon point. Dès que t'as 10 bons points, je t'offre une image, Miel. Puis quand tu auras 10 images, je t'offrirai une grande image. Voilà. Oh la ref. Oh putain. Truc de boomer un peu là. Playtime, j'avoue que je regarde la soluce pour les énigmes et que je m'intéresse qu'à l'histoire. Oh, mais j'avoue que moi, ça m'intéresse pas vraiment comme jeu. J'avoue.
Bon, maintenant qu'on a la clé, il avait dit nos restes. Hein. C'est la porte fermée qu'il y avait là-bas, je pense. Il y a 10 grandes images. Ça s'arrêtait là, l'école, non? À 10 grandes images, on n'avait plus rien, en fait. J'en avais plein, hein, de grandes images quand j'étais petite. J'étais sage. Ça a bien changé, hein. Bah, si tombe en miettes le coffre, je peux le... Non? Je peux pas le casser? En fait, je me dis, j'ai peur, c'est un trou, je peux tomber dedans ou pas? J'ai pas osé y aller, quoi. Vraiment. Et ouais. Vieille épée, pourvu qu'elle ne se casse pas au premier coup. Ah. Je t'ai jamais connu sage, Lily, quel dommage. Comment ça? Je suis sage, moi? Je vois pas ce qui te fait dire que je suis pas sage. Ne donne pas d'exemple, s'il te plaît. Je peux casser le pot, c'est hyper satisfaisant. Quel plaisir. Il n'y avait pas d'autres. Linkos qui se repose bien sûr. Bah oui. J'ai connu les bons points perso jusqu'en CP. Jusqu'en CP? C'était pas que en maternelle ça? Je m'en rappelle plus. C'est trop loin. Hein. C'est trop loin dans mes souvenirs. Meurs! Meurs toi aussi! J'ai mon épée, je peux spammer, je suis contente. Voilà. Pourquoi il n'y a plus de soleil d'un coup, là? Il est où le soleil? Allumer la lumière. Hein. C'est épais sur ce vin, je sais pas. Je me rappelle plus, j'avoue. Attends, je vais tirer le câble de mon casque, là, avec ma chaise qui grince et tout. Là. Terrible. En vrai, je me rappelle plus. Hein. Peut-être en primaire, il y avait aussi. Hein. Quoique, non, je sais pas. Oh, je peux pas, c'est nul. Il y avait des trucs à casser ici. Tout cassé. Oh, je peux pas non plus, c'est frustrant. Il y avait rien à casser ici. Eh, je suis pas venue ici. Ah bah c'est là que je dois aller, c'est la forêt. Let's go. Ouais. Moi je suis le méchant des rois des démons. Uh-huh. Si je t'attrape, je te mords. Ok, d'accord. Ouais, t'as pas l'air d'avoir trop peur non plus, hein. Y'a rien d'autre ici. Donc là c'était la boutique. Non, là c'était le pêcheur et je peux me barrer. Allez, go la forêt. Il va à la vitesse d'un résident de retrait, donc normal qu'il se fasse attraper. Non, mais elle a peut-être envie de se faire mordre en fait. Hein. Oh, c'est stylé. La thune. Non, fais rien papillon. Mais... Me fait toucher bêtement là.
C'est censé être quoi ça? Un écureuil? Il est bizarre un peu, non? Après, ils mettent des gommettes de couleurs sur des évaluations au collège, donc si ça se trouve, bientôt on aura les bons. Putain, j'avoue que ça a bien changé le système d'éval aussi maintenant. J'ai pas connu ça, mais. Je peux tout casser ici aussi. La thune! Pour l'instant, il y a un petit côté bourrin, j'aime bien. Pour l'instant. On dirait des munis un peu la thune, là. C'est trop bien. Comme dans Cash, vous trouvez pas? Enfin, les autres trucs, pas la thune, mais les autres trucs. L'XP. Ça y est, je suis riche. Pas du tout. J'imagine que je peux pas. Non, ce serait trop facile, évidemment. Évidemment, ce serait trop simple. Ah bah Fina, qu'est-ce que tu fais là? Au secours. Bah démerde-toi. T'avais qu'à pas venir ici. Non, non, mais avant de me parler, laisse-moi ramasser la thune et l'XP là-haut. De level up avant 17h. Ah là là, la prédit. Il y aura pas que des faces bourrin, Lily. Oh non, mais Moi je me doute en plus, hein, je me doute. Hein. Et ouais, t'es méchant, hein, franchement. Tu me débrouilles très bien toute seule, mais il se trouve que je déteste les champignons. Ah, là, là. Ah oui, c'est vrai, mon nom. Bah non, toujours pas. Ah, tu veux me choisir un nom? Elle veut m'appeler comment? Kuro? Bah, ce sera Kuro, allez. Ouais, aide-moi, ouais. J'ai un petit pouvoir qui pourrait bien te servir. Tu me soignes? Si elle me soigne, ouais, on y va ensemble, vas-y. Enfin, j'espère qu'elle me soigne, sinon elle sert à rien, mais... J'avais pas encore regardé tout ça. Ah, la prédit a été lancée. Deux level up, y'a rien? Y'a rien à fouiller? La fille qui veut fouiller des trucs partout. Y'a rien là? Y'a rien si j'appuie là, y'a rien là non plus, et si je fais ça y'a rien. Comment ça je suis chiante? C'est ça ton pouvoir? Tu peux m'aider à passer ici? Oh les marteaux piqueurs, putain. ça vient de reprendre, j'étais en mode... Oh non, c'était calme, c'était bien. Elle me demande de me concentrer. Oh ouais, mais non. Essaie de te concentrer, je viendrai t'aider. Bah, fin de l'histoire, hein. Fin du jeu, voilà. C'est comme ça qu'on arrache les ronces? Ok. Tu vois, heureusement que j'étais là, ouais. Par contre, c'est fatigant tout ça, hein. Une fois que tu as fait appel à moi, je dois me reposer avant de pouvoir recommencer. Allez, encore quelqu'un qui doit se reposer, là. N'hésite pas pour autant, je suis contente de pouvoir t'aider, Kuro. Ouais, merci. Merci. Oh, une save. Je voulais voir si je pouvais retourner dedans juste après. Mais... Viens ici, toi. Viens ici. Viens ici. Ah, bah, level up. Un premier level up pour la prédit. Avant 17h, il est quelle heure? Tiens, il est déjà cette heure-là. Ça passe trop vite. T'imagines la fille à chaque fois que... J'ai pas lu comment on sauvegardait en fait. J'ai skip le truc. Hein.
comme d'hab. Décide-toi. Lady. C'est automatique. Ah, ok. C'est pas à l'ancienne, quoi. Un peu décevant, du coup. Il fait quoi, lui? Il lance des trucs bizarres. Hein. Mais viens ici, t'en vas pas? Mais reviens. Il a pas loot un truc. Oh, la tristesse. L'arnaque. Pourquoi ça bouge, ça? C'est bizarre. J'ai rien fait, c'est pas moi. Pas casser ça. Bon, on va se concentrer ici. Attention. Attention. On récupère ton énergie pour que je fasse l'autre côté, s'il te plaît. Dépêche, allez. C'est bon. Oh, ça tue l'ennemi avec, c'est trop bien. J'ai obtenu de la gelée verte, Burke, ça colle, génial. Trop bien, et ça sert à quoi? Pas écrit? Non, juste écrit Burke, ça colle, quoi, ok. Dépêche, elle fait ce qu'elle peut, la pauvre, mais ouais, mais bon, elle est censée m'aider, hein. Plus vite, on n'a pas le... Aïe, le temps! Il y a un rocher qui mord. Je me suis fait mordre par un rocher, c'est triste. Par un vulgaire caillou. Aïe! Ici. Il mord pas celui-là. Bizarre ce jeu, hein. Ah, on est arrivé, ok. C'est ici que mon père t'a trouvé. J'aime pas quand il y a un silence comme ça dans ce genre de jeu. Ça sent jamais bon en général. Il y a des démons dans la clairière, ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? Cache... Bah pourquoi on se cache? On peut pas combattre? On joue à cache-cache? Ok, il y a Plume, Chérie et... En fait, j'ai pas trop envie d'aller les battre. Hein. De toute façon, ils me font peur. Ah, ok, lui, on sait pas son nom. Ok. Ouais, t'en as vu un il y a pas longtemps. Ouais, mais il a été brisé. Ouais, ouais. On peut pas le laisser faire. En vrai, on peut le laisser gagner, non? En vrai... Il fait peur, hein? Il veut sa revanche sur les humains, j'ai peur. Préparez-vous à invoquer le gardien. Et ils vont passer devant nous sans nous voir? S'il réveille le gardien de la forêt, il risque de s'attaquer à mon village. Bah, c'est pas grave, tu déménageras. Faut qu'on intervienne. Tu crois qu'on devrait les en empêcher? Mais on va mourir. Oui. C'est dangereux? Bah oui. Peut-être qu'on ferait mieux d'aller prévenir quelqu'un. Mais on n'a pas le temps. Bon, on fait quoi, là? C'est ça, le gardien? Non, je devrais pas me moquer, je vais mourir. Laissons-le se fatiguer à détruire le village, nous reviendrons ensuite. Voilà. Ah bah c'est bon, ils s'en vont. Du coup on va... Ok, d'accord, oui. Je savais que je pouvais compter sur toi, ouais. Je vais t'aider mais prends pas trop de risques, d'accord. Moi prendre des risques? Jamais. Il fait quoi? Oh j'aime pas ça.
Oh mais non, mais vas-y, je bourrine, je bourrine. Aïe. Ça passera jamais en bourrinant en fait. Concentre-toi. Je vais mourir. Eh, j'étais presque en bourrinant. Continuez, oui, continuez. J'y retourne, je suis prête. Oh, mais genre, j'étais pas dedans, tu vois. Aussi. Je suis totalement dedans, mais... Aïe, aïe. Non, j'étais moins proche, là. Non, mais faut pas que je bourrine, mais j'aime bien aussi... En vrai... Hop là. Quoi, ça marche aussi, non? Rien qui m'interdit de faire ça, hein. Merde. Voilà. Prédiction combien de try il va faire. Bah non, mais ça faisait... j'ai vu que ça faisait beaucoup de dégâts, je me suis dit oh là, oh l'XP. Bah voilà, on a level up. Effectivement, nous avons pris 2 niveaux avant 17h, effectivement. Effectivement, tout le monde a voté. Hop. Oh là là. Voilà. C'était rapide, hein. Cours, atteint le niveau 3. Par contre, il y a les autres qui sont... Ils sont pas planqués, ils sont partis, vraiment, ou... Bah ouais, c'est ça qui parlait, les démons, oui. Effectivement. Il y a des inscriptions dessus. Yes, j'ai tout compris. Je parle pas latin. Hein. J'imagine que c'est du latin. Il s'illumine. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Effectivement, il se passe quoi, là? Qui s'est passé, je ne sais pas, j'aimerais bien le savoir. Fina, elles sont différentes, moins détaillées. Et toi Kuro, c'est pareil pour toi? Oui, non, c'est pas ton imagination, hein. pas ton imagination, non. Tu penses pouvoir retrouver le chemin? Non. Je me suis dit peut-être on va stepper ou non, c'est pourtant bien, c'est pas compliqué quoi. Ok, bah me pose pas la question alors. Ah, pourquoi je ramasse ça, j'en ai pas besoin. Mais maintenant que le décor a changé, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs à ramasser ou pas en vrai? Non? Ah si, là. Je sais juste pas comment on y va, quoi, mais... Va-t'en, toi. Et j'ai Oméga pour le niveau 130. Je me ferai plus mordre par ce caillou, là. Une étoile de collection. Ah, 1 sur 30, c'est les mêmes étoiles que... dans le premier. J'imagine. En vrai, je vais les taper quand même hein, pour l'XP. Aïe, aïe, aïe. 70 PV avant 17h. Bah, en vrai, je connais pas le jeu, donc ça me paraît énorme, 70 PV, mais...
Aïe, mais hé! Il est mort, lui? Non. J'en suis à me demander si les rochers morts. Quand même, c'est un peu particulier. Hein. Oh! Incroyable. Ah, la prédit est lancée, vous avez 2 minutes. T'inquiète, c'est juste niveau 18. En fait, j'en sais, j'ai pas fait le jeu. Ouais, précise, hein, pour ceux qui votent, on sait jamais. J'ai envie que ça reste comme ça, un petit peu bourrin. Je sais que ça restera pas comme ça, mais j'ai envie que ça reste comme ça. Laissez-moi être dans le déni. J'aime bien être dans le déni. Sûr. Et on est riche, hein. Ça va pas durer longtemps, mais... Je me suis coincée. Il y a personne qui vote. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, terrible, oh dieu. Je dois bien pouvoir l'amener quelque part, celui-là il est pas là pour rien. Ah bah voilà. Mais c'est quoi? Pourquoi il y a deux endroits différents? Pour rien. Genre, y'a rien ici. On a encore level up, hein. Incroyable. Non, elle est PV 39. Hein. Il a pas beaucoup changé le village, hein. je sais pas ce qu'elle veut dire. Tout pareil. Hein. Il est mort celui-là. Ça part mon... Ah merde. Petit bug. Oh, je me demande si je vais encore faire un truc bizarre dans le jeu comme la dernière fois. J'ai réussi à faire bugger le premier la dernière fois. En parlant de bug. Afina. Mais où est mon village? Ah, bah ben, je sais pas, hein. J'avais mis 1600 surnoms. Ah merde. Le pauvre perso qui était bloqué en train de cramer. Ben oui, j'avais réussi à faire bugger le jeu à ce point là quoi. Mon père, mes amis, ben plus là. Tout a disparu et plus là. Faut que nous gardions notre calme. Ben, je suis calme, hein. C'est toi qui s'énerve. Mon père m'a toujours dit qu'il y a une explication logique à tout, ouais.
cas, j'espère qu'il avait raison quand il disait ça. Bon, on a voyagé dans le temps, t'inquiète. C'est logique. Tout à fait normal de voyager dans le temps. C'est comme si mon village n'avait jamais existé. Pour autant, t'as l'idée de ce qui a pu se passer? Oui. Ah, vraiment, ça me rassure. Ça a sûrement un rapport avec notre combat contre le gardien. Peut-être qu'ils sont réfugiés dans les montagnes. Faut qu'on y aille, je suis sûre qu'ils sont tous sains et saufs. Ou pas vraiment. Oh, je peux prendre la hache? Non. Oh, c'est décevant. C'est Paul? Vous croyez que c'est Paul? Qui est en train de pêcher là? Ouais, dans le temps, c'est la routine. Bah oui, normal, hein. Qui fait pas ça, franchement? Genre, hier, je suis allée dans les années 2000. Quel enfer. Oui. Tu n'as rien à y craindre ici. Nous sommes loin des troubles. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis installée dans le coin. Oui. Pour pêcher. Étrange, il me rappelle un peu mon père. En tout cas, il n'est pas de mon village. Il n'a pas l'air de savoir pourquoi il a disparu. Bah, bizarrement, j'ai envie d'écouter ce qu'il dit, moi, tu vois. Je pense que là où on est, la guerre est pas finie, en fait. Je peux venir ici et à rien. Frustrant. Ça fait quoi si je vais là? Rien pour l'instant, je pense. Du coup, si ton vote non a pas pris, c'est qui l'autre personne qui a mis non? Je sais pas. Le col du grizzly. C'est bien, je peux spammer là. Quel plaisir. Aïe! Ça m'envoie des tornades carrément. Aïe. Pas du tout chiant ton truc là. Oh, sale bête! Je veux pas mourir ici! C'est comme les vaches des volants 1 qui t'envoient du feu. Sale bête! Merde, c'était pas là. Mais oh, je suis en train de ramasser un truc là! Faut pas que je sois occupée? Je peux les avoir derrière eux. Oh, c'est cheaté. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Vas-y, viens toi aussi. Même pas peur. Hein. Bon, par contre, lui, ça marche pas, mais... Mais... Bon, maintenant je retourne là. Je voulais taper dessus, fallait appuyer sur A, mais bon. On va rien dire. Ah bah voilà, de toute façon, faut taper dessus quand même. Bah, j'étais pas loin, c'est bon. J'allais dire, on va dire que je suis violente encore après, mais voilà, il fallait, j'ai juste pré-shot le truc, c'est tout. Ah. Oh non, je les aime pas, eux. Viens, aïe, ne viens pas. Je peux aller là et là. Comme... Je suis sûre je vais me tromper, évidemment. Sinon, c'est pas drôle.
celui-là. Ça a l'air horrible ici. Je peux pas mourir. Je suis bientôt morte. Hein. Un petit cœur là. Allez, un petit cœur. Je peux pas péter ça. La réponse est non. La panique. Elle a pas peur. Ouais, donne la vie, s'il te plaît. Toi aussi, ouais, merci. Trop sympa. Non, mais donne la vie, là. Ça fait quoi? Tu veux rien faire ici? Vas-y, je suis sûre que tu peux le faire. Va jusque là-bas. Bah ça marche, hein. Je pensais pas. Je pensais pas que ça allait marcher, mais bon. C'était lequel? C'était celui-là? Oh non. Non. Non, non, non. Dégage. Dégage. Sale bête! Mais... saloperie. Ouais, donc là, ce sera par là. Bah non, il y a ça qui me gêne. Ah non, faudra que je le fasse de l'autre côté, ça. Mais vas-y, ça passe à travers... Ça dégoûte, ça passe à travers les buissons et tout, là. Ça suffit, l'araignée, hein. Ah, terrible. Ah, elle était pas... Elle était pas rechargée. Y'a pas une save? Ah, quel plaisir, merci. J'avais été aussi heureuse de voir une sauvegarde. Je peux faire péter ça, j'imagine. Je m'en vais. Dangereux par ici, hein. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais, mais je veux la thune en fait. Ah, petit level up, je prends. Petit éboulement aussi, ouais, effectivement. Non, mais casse-toi. Saloperie. Non, 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 laisse-moi passer. Stressant un peu, hein. Oh, oh, les salauds. Merde, j'étais pas bien placée. Meurs! Moi, je bourrine ici. Hein. Oh non, mais ça va vers moi. Vas-y, j'ai le seum. Non, non. Non, non plus. À l'aide. Il reste lui, c'est tout. Oh mais non, moi mais t'es pas cool, hein. Ouais, donne de la vie, ouais. Je vais en avoir besoin. Gentil ou méchant?
Regarde Kuro, oui. Un mammouth, oui, j'ai vu, ouais. Je croyais qu'ils avaient disparu à cause du réchauffement climatique, ouais. Bah non. En tout cas, celui-ci nous bloque le passage. Ah, tu vas pousser le mammouth? Bah vas-y, hein, s'il te plaise. Enfin, tu vas essayer, quoi. C'est un échec. C'est un cours d'idées, mais en vrai, on peut passer au-dessus, non? Il y a de la place, hein, je trouve, pour passer, non? Je te laisse trouver une solution qu'elle me dit. Bah, hop, hop, et hop, non? Non, non, bah non. Relinkos. Petit coup d'épée, là? Bah voilà. Ça marche, hein, la violence. Pour la sauvegarde, bien sûr. Bah là, c'est pas moi, il fallait être bourrin. Hein. Ah non, j'ai pas vu. Qu'est-ce que t'as envoyé encore? T'as que ça à faire! Le diplôme du meilleur bourrinage. Merci, merci Linkos. Merci. Je l'encadrerai, hein, bien sûr. Je le mettrai dans le décor de live, évidemment. Ça marche la violence, à ne pas appliquer dans la vraie vie. Ouais, non, mais enfin, dans les jeux. Et sur les Joy-Con, ça marche aussi. Hein. Pour le drift, tu tapes le Joy-Con dans le mur et plus de drift. Plus de Joy-Con non plus, mais... la pire. Ça ne sert à quoi de venir ici? Ah, pour le pousser lui en fait. Ouais, voilà, tout simplement. Tu peux pas avoir de drift si t'as pas de Joy-Con. Non, mais en vrai, quand je jouais au Joy-Con et que ça m'énervait, ça marchait vraiment. Hein. Genre, voilà. Hein. Je tapais dedans un coup, puis ça refonctionnait, j'avais plus de drift. Dépêche-toi de te reposer, Fina, t'es longue. Hein. La violence, c'est pas une solution, c'est LA solution. Non, merde, c'était pas ça qu'il fallait faire, je pense. Hein. Je pense. Hein. Ah merde, attends. Je peux pas le bouger ailleurs, lui. Lui, là, en bas. Je crois pas. Hein. C'est pas comme qu'un artichaut, quoi. Un Pokémon. Dans le bois aux chênes. Et dire qu'avant j'aimais bien jouer au Joy-Con en vrai. Avant. Avant. Maintenant je peux plus passer de la manette pro. Et je peux rien faire d'autre avec lui là aussi. Putain, je comprends pas, ça y est, je suis bloquée. Voilà, première fois dans le jeu que je suis bloquée. Non, il fait rien d'autre. Hein. Non, mais en vrai, les Joy-Con, j'aimais bien juste parce que genre, je mettais mon bras comme ça avec un Joy-Con sur le bureau, pilote. Voilà, c'était bien. Avec la manette, je peux pas trop. Je vais être. Mais sinon, voilà. Maintenant que j'ai la manette pro, j'aurais du mal à m'en passer, j'avoue. Hein. J'aurais du mal à revenir sur les Joy-Con. Hein. Non, vas-y, tu peux me donner la solution. J'aime pas attendre d'être bloqué longtemps, moi. C'est quoi la solution? Je peux pas le taper d'ici, hein. Bah non, c'est trop loin. Je peux pas casser, ça, c'est frustrant. Mets-toi dans le coin là, garde-toi entre les deux buissons. Non. Tu vas aller save un coup.
Non, ça marche plus. Quoique, lui, maintenant que je l'ai bougé là, peut-être faut que lui, je le remette là-bas. Non, c'est pareil. Hein. Ça revient exactement même, en fait. Hein. Ou alors, faut que je le fasse rapidement. Un petit créneau entre les deux buissons, bah ouais. Enfin, si j'y vais rapidement, quand il se déplace, en vrai... Je vais voir si ça passe comme ça avant. J'avais de la vie. Et en vrai, il y avait un truc. Hein. Le mammouth de droite, tu le remets à droite pour l'instant. On va commencer par ça. Et tu vas sur le petit chemin sur la gauche et tu tapes... Ah mais putain, oui, le chemin sur la gauche, c'est vrai. J'y pensais plus à ce passage, pour moi, c'était juste un coffre et rien d'autre, là. Pauvre bête, quand même. Pauvre bête. Violence envers les animaux dans le jeu, hein. Terrible. Hein. Dit-elle en tapant tout ce qui bouge. C'est un détail. Oh l'enfer. Oh, je vais détester ça. Hein. On va pas si loin. Maintenant le level 2. C'est quoi la soluce? La fille qui a déjà bon. La fille qui a pas envie déjà, tu sais. Non, je suis sûre, lui faut le bouger là. C'est histoire que ce soit bien relou, quoi. J'ai l'impression que je me suis coincée. C'est pas une impression. Hein. C'est pas possible de se coincer dans le jeu aussi. C'est une impression, hein, je me suis pas bloquée. Oups. Parce qu'on est d'accord que je peux passer nulle part là. J'ai envie de crever. Hein. Non mais. J'ai réussi à me softlock, vraiment. Mais il est censé avoir une solution pour pas rester coincé. La dernière save, elle est pas loin, elle est pas loin. Mais c'est la zone juste avant, mais non, mais vraiment. Moi, je dis pour la VOD YouTube, c'est là qu'on se laisse sur un magnifique blocage. Voilà, je trouve ça beau. C'est le talent, hein. C'est le talent, ça ne s'invente pas. Et donc, je vous fais des bisous YouTube.